j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors, je vais vous faire une petite vidéo. Je pense que je vais la faire en 3 ou 4 parties. Genre, je vais faire un message général. Après, je vais faire pour les personnes qui ont personne dans leur cœur, les personnes qui auront quelqu'un dans leur cœur. Et puis, je sais pas. Et on verra au feeling. Ok, donc on va commencer par un message général. Pour un message général, je vais opter plutôt pour le 77. J'espère que vous allez bien, les amis. Je sais pas si je vous l'ai demandé. Allez, on va regarder, on se concentre, un petit message général, intemporel. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un petit message général, intemporel, précis si possible. Ok, il y a... Ah, ça, j'ai eu peur que ça ait une note, ça va encore. Allez, on va regarder... Alors, ça peut être une notion de lenteur comme une notion de déplacement également. On peut parler également une notion de déplacement, mais plutôt à la limite en fin de soirée et au maximum en nuit, en nuitée. Bon, en tout cas, ça ne sera pas en plein jour pour un déplacement ici. Ok, alors mélangeons. Je voudrais peut-être 9 cartes. Déjà, pour l'instant, on me dit aussi qu'il y a une femme, une énergie féminine qui est bloquée entre... plusieurs dualités entre une forme d'ombre et une forme de lumière, mais on nous dit quand même qu'elle sera guidée plutôt vers la lumière. Ok, alors on va mettre les 9 cartes et on va regarder. Il y a ma mère qui est descendue et elle a allumé la cafetière et ça me stresse. Voilà. Ok, donc on parlait de déplacement possible. Plutôt, si déplacement possible, on va plus nous parler de déplacement en fin de journée. On va nous parler ensuite de lenteur. On a la carte ici compliquée. Donc, on a un labyrinthe plutôt compliqué. Alors, si on parle de déplacement, on va dire ben, peut-être que vous allez un peu vous perdre. Peut-être le GPS va bugger au bon moment ou alors... je sais pas, on nous dit que sur ce déplacement-là, ce chemin-là, ça semble un peu bordélique, un peu compliqué. Ou alors, si on parle pas de déplacement et on y va un peu plus loin, genre dans le général, on va nous parler simplement de situations lentes, très très lentes, pas la plus rapide des évolutions. Et en plus de ça, on va nous parler que c'est très compliqué. Ensuite, on a le coffre. Donc ça, c'est tout ce qui est don, mystère. Des choses peuvent se cacher à l'intérieur. Faudrait avoir la clé pour l'ouvrir. On a le ciseau qui nous parle de couper, qui nous parle de tranchant, qui nous parle de couper des choses. Alors, on peut nous parler de couper certaines choses trop ambiguës, trop compliquées, trop labyrinthes, justement. Et peut-être couper quelque chose dans ce... dans cette situation un peu longue pour peut-être accélérer les choses. Peut-être qu'il y a un poids derrière notre véhicule ou notre évolution. Et du coup, peut-être qu'en coupant certaines choses liées à notre évolution lente, bah, peut-être que ça pourrait nous aider à faire avancer la machine plus rapidement. Alors, si on parle de déplacement, je sais pas, on va nous parler de couper certaines choses. Peut-être que... qu'il y a des choses à couper sur le véhicule. Attendez, on va prendre les autres cartes. On a après on a l'activation. On a quelque chose de plus rapide. Ouais. Moi, c'est comme si là, dans cette situation... Alors, je vous remémore le truc pour vous remettre dans la situation. On a l'impression que c'est plutôt lent. Que c'est plutôt compliqué. Il y a des choses ici... qu'on aimerait voir, qu'on aimerait savoir, mais qu'on n'a pas la clé pour voir le mystère en question. On nous dit qu'on va couper quelque chose ici pour faire activer les choses et ça va marcher. Du coup, parce que juste avant, on a l'avion. Parce qu'au début, on avait un bateau.
bateau qui c'est une... Même dans les livraisons, on parle souvent, le bateau c'est plus lent que l'avion. Voilà. Donc juste après, on nous confirme qu'on a une notion de rapidité, les amis. Donc ça serait peut-être une bonne chose de couper, d'enlever quelque chose, tu vois, de supprimer quelque chose. On a une carte d'inattendu. On a une carte d'offrande. On a une carte de bien-être. Et on a une carte de retour. Moi, ici, on me dit qu'on revient à l'essentiel, peut-être pour se sentir mieux. Mais c'est comme si c'était pas du tout prévu, par contre. Et on nous dit que oui, la situation est longue et compliquée. Mais si tu vois les choses autrement, ben en fait, elle n'est pas si longue que ça, elle est plutôt rapide. Et on nous parle ici, en fait, on va se préoccuper plus de choses plus importantes que la situation qui nous pensait. Qu'on pensait en fait importante. Mais en fait, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup plus important que la situation qui est compliquée, qui nous fait galérer. Et en fait, on va capter que la situation qui est beaucoup plus importante et peut-être qui est liée à la santé, eh ben, du coup, on va trouver beaucoup mieux. On va se sentir beaucoup mieux. Et voilà, donc voilà, on va revenir aux choses essentielles. Allez, je vais prendre un oracle qui parlera de blessures et de guérison. Oh ben, on a coupé les liens, les amis. Pour moi, ça, c'est un oracle, je le prends vraiment comme vraiment un oracle de conseil. Conseil concernant nos blessures et conseil, genre, pour nous aider à... Franchement, je vous le conseille aussi. Pour nous aider vraiment à aller plus vite ou à régler des choses, franchement. On nous confirme qu'il y a des trucs à couper. On a la carte de la tristesse. Ça nous fait de la peine. Ça nous a fait de la peine. On a la carte de la sexualité, les amis. Quelque chose lié au relationnel, du coup. Et on a la carte de la possessivité. Trop attachée à des choses peut-être pas très très... pas, c'est pas que c'est très important, mais... En fait, ici, quand on comprendra qu'il faut... regarder les choses autrement, eh ben on s'en sortira beaucoup mieux. Même moralement parlant, qu'on aura une autre vision des choses, déjà qu'on arrêtera d'attendre des gens, qu'on en arrêtera d'écouter ou d'attendre que quelque chose ici se réalise, ben déjà ça ira beaucoup mieux. Et même la tristesse pourra partir. On a les blessures de l'âme. On a un trop-plein émotionnel. Et on nous faut vraiment, vraiment reprendre confiance en nous. Et s'aimer beaucoup plus ici. Prendre vraiment conscience de votre valeur en fait. Alors j'espère que j'ai bien expliqué malgré les coupures là. En gros, le message de la guérison, c'est clairement une situation, on va dire... d'ordre, comment on dit, faudrait que j'apprenne plus de mots. Une situation qui est liée à la matière, qui est liée aux relations, qui est liée à l'amour, qui est liée aux gens qui nous entourent. Et en fait, tout ça, toute cette tristesse, tout ce qu'on garde en nous, toutes ces choses qui nous embrouillent, toute cette lenteur, en fait, elle vient pas forcément de nous et elle vient en fait d'autres personnes. Et en fait, on nous dit que oui, on est concerné forcément puisqu'on est là et que nous aussi, on a un lien avec tout ça. Forcément, il faut pas tout lâcher sur les autres. Ça se fait pas, c'est pas bien et c'est pas vrai. Mais en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que en ayant une autre aspect de la vie, des choses, du monde, des gens, et de vous concentrer plus sur vous, sur votre guérison, sur votre amour de vous-même, et de plus rien attendre de certaines personnes qui vous déçoivent en fait, hein, qui vous déçoivent parce que finalement, ils ne vous donnent pas ce que vous espérez et au contraire, peut-être même vous retardent dans votre propre évolution, dans vos propres projets. Donc en fait c'est simple, enfin non ça paraît, enfin c'est pas simple en fait. Je sais même pas si j'arrive bien à exprimer la vision des choses.
Peut-être pas. Parce qu'en fait, c'est pas simple, mais c'est simple. Mais c'est pas simple, en fait. En fait, le truc, le secret, je crois qu'il faudrait arriver à couper des croyances limitantes, des choses qu'on nous a inculquées à notre naissance, avant notre naissance, pendant notre développement, et qui nous impactent aujourd'hui à l'âge adulte. Et ça nous crée vraiment des gros gros problèmes émotionnels, des grosses barrières aussi, des gros freins et des grosses souffrances en fait. Mais vraiment. Et c'est des choses en fait qu'on refile à nos enfants, à nos petits-enfants et aux générations qui suivent et qui suivront. Donc je pense que ce que je dis n'est pas bête hein, et je le crois très très sincèrement que faudrait peut-être réfléchir à tout ça. Et je vous jure que si on arrive à réfléchir et à comprendre ce que je dis, c'est pas peut-être le plus simple. Mais si on arrive à comprendre, franchement, je pense que ça peut être super sympa. Et après, oui, c'est pas si simple. Mais déjà, le fait d'avoir conscience de ça, je vous jure, les amis, on a presque tout gagné. Mais en vrai, quand je dis no notre malheur, souvent c'est à cause des autres et tout, c'est vrai et pas vrai, parce que c'est aussi nous qui acceptons certaines choses. En fait, c'est compliqué. C'est très très compliqué à expliquer et c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs perceptions de certaines choses. Et voilà en fait. Je pense que ça vient, ça c'est pas forcément une personne qui est coupable ou que ça vient de quelque chose, mais en fait, moi je pense qu'il faut retenir c'est d'abord nous-mêmes et nous ce que nous devons faire pour que nous soyons heureux, accomplis et que en fait, certaines choses de la vie nous font beaucoup moins souffrir et nous impactent beaucoup moins en fait que par rapport à cette manière-là. Des choses plutôt courantes en fait. J'ai adoré le petit message ici du début. Et peut-être qu'il y en a, ils vont trouver ça barbant, ennuyant, parce que voilà. Mais je vous jure que c'est la base, c'est une grosse base et qui pourra nous apporter plus par la suite, même dans l'amour, même dans la famille. Enfin, voilà, c'est qu'en fait, quand on accepte de vouloir, je sais que ça peut être chiant. Genre la flemme, genre défendre la flemme, c'est chiant de travailler sur nos blessures. Mais en vrai, quand on arrive à faire ça, ou qu'on y pense, ou qu'on a une autre perception de certaines choses, les amis, eh ben après, les choses seront beaucoup plus fluides, pourraient être beaucoup plus stables, beaucoup moins. Et aussi en acceptant beaucoup moins de choses qu'on ne devrait pas accepter, en fait, tout simplement. Là, on nous parle avec le tarot d'un manque, de difficulté, de manque, un manque dans le sens de se positionner. On ne sait pas trop où on va avec cet homme, mais on y va. En tout cas, on voit quelqu'un ici qui manque. Il y a quand même un manque. Voilà, on n'a pas tout ce qu'on aimerait, on n'a pas tout ce qu'on espérait. Peut-être un manque de loyauté aussi quelque part. Mais en tout cas, on a de la force, même si on a l'impression que non. Mais si on a de la force. Mais en tout cas, pour vous rassurer déjà, sachez que, ok, il y a des difficultés, on ne sait pas trop où on va. Mais déjà, vous allez vers une forme d'équilibre et de stabilité et entre guillemets d'union. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais sachez que malgré cet état de douleur, cet état inconfortable, sachez que quand même, on voit quand même votre capacité, votre force et votre plein potentiel. Donc voilà. Alors oui, je peux comprendre ici dans ces situations-là qu'on n'arrive pas à s'aimer. J'ai entendu une capture d'écran. Peut-être c'est ma mère, elle a capturé un truc. Parce que moi, des fois, je suis parano, hein, comme si on m'avait capturé. Non, je sais pas. Peut-être pas fait. Non, non, elle m'a fait une capture. Faut pas abuser quand même. Donc voilà. Alors oui, quand on est dans cette situation, on n'arrive pas à voir le bon côté des choses. C'est souvent très difficile. Mais on peut le voir, le bon côté des choses. Certaines personnes pourront le voir. Ceux qui sont suffisamment, je pense, éveillés. Et tous ceux qui ont compris ce que j'ai voulu dire et qui sont actuellement dans tout mon truc là.
de ce que je viens de dire. Il y en a, ils vont rien comprendre. Mais juste l'essayer de comprendre, c'est bien, les amis. Je vous jure que c'est sympa. Ok. Allez, on va faire d'abord pour les petits célibataires. Pour garder un petit message. Voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Ce qui va se passer. On va regarder le présent, les amis, pour les célibataires. Pour cette énergie. Un petit message pour nos amis les célibataires pour le présent actuellement dans le domaine relationnel. Un petit message actuel, les amis. Je vais vous sortir des signes, des critères et tout psychologiques pour savoir si c'est pour vous. Pour les célibataires. Ben, j'ai deux signes astro. J'en prends que trois aujourd'hui. J'ai envie d'en prendre que trois. J'ai le lion, le capricorne et la balance. Voilà, c'est trois signes qui sont sortis. Et tous les autres que je verrai, je ne les prendrai pas, les amis. Parce que je n'en veux que trois. Pas prêt, les célibataires. Pas prêt. Mauvais timing. Alors, les célibataires, c'est vrai que on a l'impression que vous n'êtes pas prêt. C'est vrai qu'il y a quand même quelqu'un qui pourrait vous attirer, vous sentir un petit truc. On peut nous parler de quelque chose de sincère. J'ai pas envie de vous casser le moral, les amis célibataires. C'est pas grave, ça veut pas dire que si aujourd'hui c'est négatif, c'est que demain, ça sera pas forcément négatif non plus, les amis. Tout bouge, tout change, tout évolue. Voilà, un jour c'est négatif dans le domaine de l'amour et autant très rapidement, c'est vrai, c'est la vie. Hein. C'est comme ça, les choses bougent, les choses avancent et bien heureusement que les choses ne sont pas toujours fixées et figées. Des fois, ça peut arriver. Elle n'a pas aimé ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, elle est sur mes genoux, chaos. On voit que c'est compliqué pour les célibataires. Voilà, alors oui, il aurait pu avoir une opportunité de rencontre sérieuse, mais c'est quand même, c'est pas que vous allez la louper, la personne, c'est que c'est un mauvais timing, voilà, c'est pas le bon temps, c'est pas le bon timing, c'est pas, vous êtes rencontrés, on va dire, à la mauvaise période, vous savez le genre de choses. Alors, on voit que c'est compliqué pour les petits célibataires. Non, c'est un signe astro, je ne le prends pas. Hein. Attendez. On a une carte de temps. On nous parlera du printemps. Mais on nous dit que vous allez parler à quelqu'un. Princesse, il faudrait arrêter maintenant. Tu veux... Eh ben, descends de mes genoux. Voilà, c'est la punition. Oh, c'est grave quand même. Voilà, pour me déconcentrer. C'est bien, merci. Merci, super princesse. Super. Elle me regarde comme ça. Alors, on voit quand même que vous allez parler à quelqu'un. Mais on voit que c'est pas si simple. Alors, c'est des signes astro, je ne prends pas. On a l'automne aussi qui est sorti là. Signe astro, je prends pas. Non, signe astro. Signe astro. Alors, les célibataires, ici, on nous dit que... ouais, c'est comme si vous allez parler à quelqu'un avec qui vous allez discuter. Par contre, on voit que vous n'êtes pas prêt, on vous a menti, tout ça, et en plus c'est pas le bon moment, même pour vous, je sais pas, c'est comme si c'est pas le bon moment. Voilà, c'est pas le bon moment. C'est quand même, si aussi les célibataires, quelqu'un qui voudrait revenir, c'est un peu chiant un peu pour vous les célibataires en ce moment. Si vous avez une question, posez une question. Vous avez peut-être pas vu. Posez une question.
par rapport à votre vie de célibataire. N'importe. C'est bon? On vous dit oui. Il y a quelqu'un, mais compliqué les célibats. En plus, on voit un coup de cœur. On nous parle d'engagement, mais bon. En fait, il y a une relation, on va dire, d'amitié, mais un peu bizarre. Un peu ambigu pour vous les célibataires. On voit quand même qu'il vous plaît, il y a un coup de cœur. On parle de fidélité, de confiance, de loyauté. Mais je sais pas, à un moment de votre vie, on vous a quand même pas mal un peu déçu. Et puis voilà quoi. Je vais essayer de parler mon intuition pour vous, les célibes. Je vais laisser l'intuition parler. Là, j'ai vraiment fait en cartomancie quoi. Un petit message pour les célibataires. Moi, j'ai entendu, vous allez rencontrer quelqu'un ou il y a quelqu'un ici, pas loin là, pour vous les célibataires. On a une carte encore de difficulté, de bataille. Ouais. Alors ouais, peut-être que ça veut nous dire tout simplement que vous allez pouvoir être en couple, passer de célib à quelqu'un dans votre cœur. Mais c'est pas fluide, c'est pas simple. Mais pourtant, on voit quand même quelque chose de sérieux, hein. Tu vois? Parce que c'est vrai que je suis le genre de gens à me dire que quand c'est pas fluide, c'est mauvais signe. Mais après, il faut pas faire tout le temps des généralités, en vrai. C'est vrai, hein. C'est des guides en général, mais il faut pas faire tout une généralité. C'est compliqué. Mais ouais. On voit que c'est pas si simple. Genre, c'est comme si il y a quelqu'un qui voudrait être en couple avec vous, les célibes, mais on dirait que vous. Je sais pas, c'est comme si il y a une difficulté, c'est pas facile. On prend notre temps. Genre, c'est comme si. Attendez, encore cet ordi qui se met en veille. C'est comme si, voilà, c'était pas si simple. Il y a une forme de, je sais pas, peut-être de jeu de séduction. Voilà, il y a quelqu'un qui se fait quand même un peu désirer. On a le soleil qui parle de réussite. On a le 4 de coupe, hein. Il y a une insatisfaction, quelqu'un qui essaie qui vous fera des avances. Vous, vous répondez pas tout le temps, apparemment. Enfin, ouais, vous n'êtes pas trop emballé. Vous avez pas l'envie immédiate de vous caser, les petits célibes. Mes célibes du moment. Non. Mais bon, moi je pense que ça viendra. Ça viendra. Mais bon, je vous vois pas du tout pressé. Pas du tout. Peut-être que vous êtes bien dans le fond célib. Hein. Mais peut-être que vous allez me dire non, je vais pas me mettre en couple. Ben si. Ben si, tu finiras par te mettre en couple. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis désolée. Il y en a, ils veulent pas. Ben, tu le sauras, voilà, un jour ou l'autre. Hein. Je suis désolée de te décevoir. Ok, peut-être que je te rejoins dans le sens, pas maintenant, je prends mon temps, non, pas envie, flemme, machin. J'ai fait un truc bizarre. Mais ça arrivera. Hein. Ça arrivera. Ou alors, c'est la personne en face de vous qui est comme ça, si vous allez rencontrer quelqu'un, bref, vous allez capter. Mais en plus, tu vois, on voit là, on boude et tout, genre. On nous dragouille et tout. Mais on voit vraiment quelqu'un, genre. Pourtant, regarde. On se plaît quand même. Voilà. On se plaît bien. Il y aura l'engagement. Et c'est chiant, ces lumières. On aura l'engagement. Mais ouais. Tu vois, on nous montre bien que ça va mettre un certain temps, qu'on n'est pas prêt. On a une carte qui parle de difficultés. Qu'il faut s'accrocher. Là aussi, j'ai eu un 5 de bâton. J'ai eu le pendu qui nous parle de stagnation. Tu vois. Donc voilà. Mais ça arrivera. Et j'ai eu un 10. Donc ça va. Vous finirez par vous caser. Mais pas dans l'immédiat. Mais le pire, c'est que. C'est un des deux là qui. C'est une volonté, quoi. On fait esprit.
Ok. Je vais regarder maintenant pour les personnes qui sont en couple, qui sont dans le crush. Je vais récupérer les cartes que j'avais enlevées. Là, je vais regarder. C'était bien les signes astro, au cas où, hein, au cas où. Voilà. Ok. Je prends quoi pour les couples? Je prends Magic Luna Love. Magic Luna Love, les amis, je crois que... Ouais, j'ai reçu ma commande. Je vais pouvoir envoyer ceux qui ont commandé Magic Luna Love tout seul. Et pour les Magic Luna classiques, il va falloir attendre, si vous avez commandé les deux, il va falloir un peu attendre bah, début septembre, mi-septembre, que je reçoive l'imprimeur à commande. Donc voilà, pour vous dire que j'ai pas mal en stock de Magic Luna Love. Par contre, Magic Luna classique, c'est pas une certitude, vous savez comment je suis, mais j'ai commandé très peu d'exemplaires de Magic Luna. Vous savez mon Magic Luna, celui-là, j'en ai recommandé très peu, alors qu'il était en précommande. Très peu. Je me tâte, je sais pas si je commence à me dire peut-être de moins en moins je vais l'imprimer. Mais bon, c'est pas pour l'instant. Allez, on va regarder pour les personnes qui sont en couple. Parce que oui, je suis en train de faire mon oracle. Ouais, je vous l'ai déjà dit en vidéo, je crois. Il va être magnifique. Je pense qu'en septembre, je mettrai les précommandes. Mince, qu'il est. C'est une ça. Oh, une pépite! Alors, on a quoi pour les. Pour les gens en couple, pour les jeunes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Actuellement, on regarde l'énergie actuelle. On va pas dans le futur, on regarde actuellement et un peu plus loin. C'est bien aussi de temps en temps regarder l'actuel, regarder un peu comment ça se passe et comment ça va se décanter aussi. Je pense que c'est bien aussi de faire un peu d'actuel, je pense. Moi, je pense que c'est intéressant. Pour les personnes en couple, s'il vous plaît, Magic Luna. 9 cartes. L'attente. Non! D'ailleurs, j'ai écrit un commentaire, mais vous n'avez pas pu voir, c'est impossible. Y a trop de commentaires. Même les guidances, les amis. Les guidances. Il faut pas attendre non plus. Il faut vivre sa vie. Heureusement que vous n'êtes pas tous comme ça. Parce qu'il y en a, ils attendent que les choses se réalisent. Mon Dieu. Il y a des gens. Heureusement, vous n'êtes pas tous comme ça. Mais il y en a, vous êtes comme ça. Il faut arrêter. Vous bloquez votre vie et les événements. Il y a des gens, déjà de 1, ils attendent un mec qui, ça fait je sais pas combien de temps, il les fait galérer, ça m'énerve, je suis désolée, je m'énerve, oui, mais ça m'énerve. Ensuite, qu'ils attendent les guidances, en plus elles sont générales, et ils attendent. Et les guidances sont générales, mais il faut pas faire ça pour une généralité. Et même, t'attends rien, personne, tu fonces de ta vie. Non, ça veut pas dire ça, mais genre. Tu fonces là, ça y est, là, il y en a marre, avance, il faut que tu prennes ta voiture, tu prends la première, la deuxième et direct tu vas à la sixième. Je l'ai pas sur ma voiture. D'accord? Oh, c'est pas comme ça que les choses vont avancer. Avancer, merde, j'en ai marre. Il y a une personne qui m'a dit ça sur je sais pas combien de gens. Vous savez comme ça m'énerve? Parce que une personne, c'est une personne, c'est une personne avec un cœur, un cerveau, une mentale. Oh, ça, c'est pas possible là. Heureusement que je vois beaucoup de personnes évoluer et tout, qu'ils avancent, c'est trop bien. Mais je sais, ma copine m'a dit, Delphine, tu peux pas aider la terre entière. Allez, c'était une aparté. Pour les couples ou les personnes en crush. La discussion. Kuba. Réaliser tout ce qui est concret.
On va parler de coups bas, les couples. De trahison. De déloyauté. Et c'est comme si qu'on allait dire à cette personne, donc cette personne nous disait, ouais, ce qui peut arriver, ce qui s'est passé, c'est pas un rêve, c'est pas un film, hein, c'est voilà quoi. On nous dit que ce coup bas, il a un petit lien avec le physique, le superficiel, la luxure, la beauté, les plaisirs, éphémères. On a réconforté 2 minutes. C'est comme si on nous disait qu'on allait discuter avec la personne de notre cœur. Il y a aussi un rabaissement. Un rabaissement physique en fait. Ouais, sur notre physique, sur notre poids. Comme si quelqu'un ne nous réconfortait pas assez. C'est un amour fou. On a le printemps encore ici qui sort. On a les révélations concernant quelque chose qu'on va chercher. On parle d'évolution. Par contre, ok, il y a une évolution entre ce couple, ces gens-là, mais il y a juste un moi, quelque chose là que j'accepte pas. Je suis obligée d'ouvrir ma bouche. Il y a un homme ou il y a une femme là qui rabaisse l'autre sur son physique, sur son poids, sur son nez, sur sa bouche, bref, sur son look, bref, sur son apparence en fait. Ça se fait pas, les amis. Hé, c'est pas bien. Et si c'est toi qui subis ça ou c'est toi qui fais subir ça, faut arrêter là. Ouais, ok, on parle d'amour foufou, on parle, ok, t'es dans tous tes états, machin, ok, mais c'est pas mon problème. Hein. Et en plus, je viens de capter maintenant par rapport à l'attente, parce qu'en plus, on attend. On attend d'être épaulé par cette personne et d'être réconforté sur. Déjà, il y a un manque de confiance sur vous. Et moi, ça me plaît pas, hein. Amour fou, pas amour fou, amour, pas amour. Non. Oh. C'est quoi ce bordel-là? Ça se fait pas. Ouais, mais bon, l'amour rend aveugle. Hé, hey, l'amour fou en plus. Ok. On va regarder avec cet oracle. J'ai mis en barre d'infos. Ouais, mais c'est quelqu'un en fait où vous avez affaire à une personne pas très affectueuse, qui vous met pas du tout en confiance, alors que déjà que vous n'avez pas trop confiance en vous. Et qui en plus vous appuie là où ça fait mal, là, sur vos complexes. Et on voit qu'on est en attente de quelque chose par rapport à cette personne. Ok, ouais, il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup de magnétisme, dépendance affective ici quand même, hein. On a la Vierge, on a septembre, on a le cancer avec le juillet, on a la balance et l'octobre. J'en prends que trois, les futurs signes, je ne les prends pas. Épreuves et difficultés, changement rapide, solitude, on se sent seul comme dans cette relation. Signe astro, je ne le prends pas. Je ne le prends pas. Instabilité, hein. Relation changeante. Jalousie, manque de confiance, les amis. Les choses évoluent. Ce qui
qui évolue en fait, c'est plutôt les blessures, vos propres blessures. Normalement, je vous influence pas, je vous dis juste que ce qui sort. On nous parle de renouveau, quand même. Ouais, de renouveau. On voit quand même dans le domaine sentimental que les choses vont s'accélérer. Qu'on peut construire quelque chose dans l'amour, mais en apparence. Mais il y a des choses, vous allez vous voiler les yeux, vous n'allez pas vouloir voir certaines vérités. Je sais pas si vous captez. C'est comme si par rapport à cet amour, vous allez être un peu aveuglé. On voit beaucoup d'aveuglement et beaucoup de choses que vous ne devrez pas accepter. Accepter. Dans cette situation, vous acceptez beaucoup, beaucoup l'inacceptable. Vous oubliez énormément et cette personne a tendance à vous piquer là où ça fait mal. Je pense pas que c'est une personne mauvaise volontairement, mais des fois, elle joue un petit jeu sadique en vous piquant là où ça vous fait mal et vous, ça vous fait mal. Et cette personne ne veut pas vous faire du mal, mais ça la fait rire quand même de vous susciter par rapport à votre réaction, mais a pas vraiment, ne voit pas vraiment l'impact que ça a sur vous, ne réalise pas vraiment que vous souffrez quand même de certaines choses. Allez, on va regarder un peu plus pour les personnes qui ont un crush. Je prends celui-là. Encore un petit message. On nous parle d'une invitation à boire quelque chose. On peut nous parler aussi d'un rendez-vous peut-être pour une intervention ou qui est lié à la santé de quelqu'un. On nous parle de rapidité par rapport à un homme concernant certaines décisions pour un nouveau chemin. Mais on nous dit qu'il faudra arrêter certaines choses, notamment arrêter de revenir en arrière. Et d'arrêter peut-être de trop être généreux, de savoir un peu dire non. Et être beaucoup plus dans le positif par rapport à certaines écoutes. Voir les choses d'une manière plus mieux au niveau de l'écoute. On nous parle qu'on aura la clé pour une belle réussite, une belle chose positive. On nous parle d'une fin avec sagesse à cause de dualité, d'ombre et de lumière. Mais on nous parlera que c'est une opportunité, une chance. Parce qu'on nous voit qu'il y a des choses un peu rusées qu'on ne dit pas. Notamment une femme, elle veut la justice et la lumière. Mais elle va apprendre certaines choses concernant des actions qui ont été prises par envie et des choses un peu cachées, mystérieuses, douteuses et sombres. Donc voilà les amis, moi je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Nous, ça fait toujours, on a la pluie, c'est trop bien. Il y a le tonnerre. Ça va, il gronde pas trop fort, donc ça fait pas trop peur. Donc, ça va, quoi. Donc, voilà, voilà, les amis. Si je peux, je reviens demain soir si j'ai l'énergie. Et sinon, je reviens dans pas très très longtemps. Mais si je peux, demain, à partir de 19h jusqu'à 19h19, si ma vidéo aura été acceptée par YouTube. Donc voilà les amis, je vous fais des bisous, prenez soin de vous.